À la rentrée prochaine, Lucie, Rose et Maxime, les triplés de Florie Galli, seront séparés. En effet, dimanche 25 juin 2023, la maman révélée par Famille Nombreuse, La Vie en XXL a annoncé que ses deux filles redoublaient la moyenne section de maternelle. En 2020, les téléspectateurs de Famille Nombreuse, La Vie en XXL, sur TF1, découvraient Florie Galli, son mari Bastien ainsi que leurs 5 enfants, Arthur, les triplés Maxime, Lucie et Rose, et enfin Paul, le petit dernier. Puis, en juillet 2022, la maman avait annoncé que sa famille quittait définitivement le programme. La faute aux haters mais aussi au rythme imposé par l'émission. Je n'avais plus beaucoup de temps et d'énergie à consacrer au tournage, avait-elle expliqué sur Instagram. Désormais, si est sur les réseaux sociaux que la tribu entretient le lien avec ses fans. Florie Galli y évoque régulièrement ses enfants, et notamment les difficultés qu'elle rencontre avec Lucie et Rose. En effet, celles-ci ont du mal à trouver leur place à l'école. La raison vient, selon elle, du fait qu'elles soient nées prématurées, évidemment que je pense qu'elles en sont capables, c'est une question de timing. La prématurité malgré tout laisse des traces, ce n'est pas anodin un premier mois de vie en couveuse au lieu d'être tout contre sa mère tout le temps. Lucie et Rose ne rejoindront pas Maxime en grande section finalement, ce 25 juin, la mère de famille a fait savoir que les filles redoublaient la moyenne section de maternelle. Une nouvelle à laquelle elle s'attendait et qu'elle n'accueille pas forcément de manière négative. Je pense que cela est la meilleure décision, après rien n'est sûr et certain. Mais elles sont entourées par des équipes incroyables, elles sont soutenues et nous aussi, a-t-elle écrit. Et d'expliquer, il leur faut un peu de temps et l'année prochaine elles entreront dans un rôle différent, elles seront plus responsables, lorsque je dis responsable c'est qu'elles vont connaître par cœur la classe, son organisation et pourront aussi aider les nouveaux petits élèves, elles connaîtront tout de leur classe et je serai toujours la maman la plus fière. Maxime, le troisième triplé, passe pour sa part en grande section. Quant à Paul, le petit dernier, il rejoindra ses aînés à l'école en entrant en petite section.